Il faut quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Jésus.
Bendito sea el Señor. Al temps que Dieu il peut pas venir sur la terre, il faut qu'il prenne la forme de homme, qu'il devienne homme, vienne sur la terre, payer le prix et libérer l'homme de son péché afin de le ramener à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria de su nombre. Donc, quand il a pris l'ange Gabriel, vient à Nazareth, rentre dans la maison de Marie et lui dit Amen. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Il n'a pas dit il s'appellera. Tu donneras le nom de Jésus. C'est son nom. Et Jésus, ça veut dire sauveur. Ça veut dire que sous la terre, il n'y avait pas de sauveur concernant l'homme. Le unique sauveur est dans le ciel, c'est Jésus, c'est lui le sauveur. Sur la terre, il y avait des libérateurs comme Moïse, qui a libéré Israël d'Égypte, mais n'a pas libéré Israël du péché. Le seul qui peut libérer du péché, c'est Jésus, c'est lui le Messie. Bendit au Seigneur, bénit le Seigneur. Donc Christ vient sur la terre, amen. Il est né à Bethléem, il grandit à Nazareth, il se baptise au Jourdain. Il va jeûner au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Après, il commence à évangéliser, il commence à prêcher, il commence à sauver des âmes, il commence à chasser les démons, il commence à guérir les malades, et 3 ans après, il est mort à la croix. Et sous la croix, il dit, Jean 19, 30, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Tout est accompli. C'est le plan de la rédemption, le plan que Dieu a donné le feu vert dans le jardin d'Éden. La postérité de la femme t'écrasera la terre. Ce plan, il a fallu 4000 ans. Et 4000 ans après, Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire que Jésus a réalisé le plan de Dieu. Il a rendu vivant. Mais il a matérialisé, il a rendu visible le plan de Dieu. Mais comment? Avec son corps. Avec son corps, avec son sacrifice, avec son sang, il a rendu vivant le plan de Dieu. Et c'est la raison qu'il a dit, c'est la raison qu'il a dit, venez car tout est déjà prêt. Pour qu'il arrive à dire tout est déjà prêt, il a fallu qu'il donne sa vie. Il a fallu qu'il meure à la croix. Il a fallu qu'il accomplisse le plan de la rédemption. Il a fallu qu'il vienne ressusciter d'entre les morts. Vous comprenez ça? Quel homme sur la terre aurait pu dire ça? Venez, car tout est déjà prêt. Tout est prêt, réalisé, accompli. Dieu l'a rendu vivant, le plan de la rédemption. Il l'a rendu visible, il l'a matérialisé. Et maintenant, on le voit. Bénit soit le Seigneur. Quand on voit les chrétiens sauvés, des véritables chrétiens. On voit le plan de la rédemption. On voit le résultat du sacrifice de Jésus. On voit le fruit de son sacrifice. La raison, le pourquoi de son sacrifice. Bendit soit le nom du Seigneur, la Dieu, soit avec moi. Venez, car tout est déjà prêt. Et dans la Bible, il y a quelque chose qui est prêt. Et qu'à moi, ça m'a beaucoup touché. Bendit soit le Seigneur. La Bible dit dans lequel. Un homme avait 2 fils, et vous connaissez l'histoire. Pour moi, c'est la parabole dans 36 paraboles que Jésus a dit. Pour moi, c'est la plus belle. Un homme qui avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, donne-moi mon héritage, je m'en vais. Il veut connaître le monde. Il n'a jamais connu le monde. Il a grandi avec son père, dans la maison de son père. Il n'a jamais vu le monde, touché le monde, pratiqué le péché. Il ne sait pas, comme un chrétien, un enfant qui est né dans un couple chrétien, une maison chrétienne, et qu'il ne connaît pas le monde, il veut savoir, il veut connaître. Et une fois qu'il connaît, il dit, c'est ça le monde, je retourne vers les chrétiens. Et ce jeune avait besoin de faire l'expérience, parce qu'il connaissait la vie, mais pas la mort. Il connaissait la lumière, mais pas les ténèbres. Il connaissait la sainteté, mais pas le péché. Donc il ne pouvait pas faire la différence. Il ne pouvait pas peser. Vous comprenez ça? Bendit soit le Seigneur. Et maintenant, il prend la décision de partir. Mais quand il revient, qu'il décide de revenir, Dieu le Père n'a pas préparé le jour où le Fils est revenu.
Vous avez compris ça. Tout est déjà prêt. Amen. Tout était prêt pour que le Fils revienne tel qu'il veut. Amen. C'est-à-dire que le Fils n'a pas pris son Père à, comment c'est dit, à l'improviste. Vous avez compris ça? Le Père n'a pas été surpris de dire, ah, c'est maintenant qu'il est venu, je croyais que vous allez venir le mois prochain. Je ne t'attendais pas, j'ai rien préparé. Vous avez compris ça? Bien dit, c'est le Seigneur. Tout est prêt, tout est prêt. Bien dit, c'est le Seigneur. Tout est prêt pour celui qui ne connaît pas Dieu. Et qui doit accepter Dieu, tout est prêt. Tout est prêt pour celui qui s'est éloigné de Dieu comme le Fils prodigue. Et s'il revient à Dieu, tout est prêt. Bien dit, tout est prêt, le Seigneur, la gueule, la voix. Regardez, lorsque le Fils prodigue, il a dit, chez mon Père, ça veut dire quoi? C'est sa maison. La maison de son Père, amen, elle était prête. La maison de son Père, elle était disponible. La porte de la maison de son Père n'était pas fermée. Quand il est parti, il a ouvert la porte pour partir. Quand il est revenu, la porte était encore ouverte. La porte de la grâce est ouverte. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. Bien dit que c'est le nom du Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Lorsque quelqu'un revient à Dieu comme fils prodigue, ou comme un perdu qui n'est jamais venu, qui n'a jamais été chrétien, perdu ou fils prodigue, quand il vient à Dieu, la porte est ouverte. Amen. La porte elle est ouverte, la maison est toujours là. Bien dit que c'est le nom du Seigneur, vous savez, la maille est boulangerie. Excusez-moi, je ne sais pas que je suis délicat, mais je n'aime pas le pain de cette boulangerie. Alors je l'achète dans une autre boulangerie. Mais la boulangerie, elle est toujours là. Du pain, il y en a toujours. Vous avez compris ça? Il y a des églises que les gens ne viennent pas, mais l'église est toujours là. L'église est toujours ouverte. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Señor, a Dios, sois toute la gloire. L'église, elle est prête, la maison de Dieu est prête. A Dieu, sois toute la gloire. On ne peut pas prendre Dieu comme ça à l'improviste, c'est impossible. Et on peut dire aussi ceci. Quand il a dit dans la maison de mon Père, il y a du pain dans l'abondance, ça ne manquera jamais le pain. Amen. Le Père n'a pas dit lorsque le Fils est revenu préparer du pain. Le pain était déjà prêt. La maison est prête à le recevoir. Amen. Et le pain est prêt à être mangé. Il y a toujours la porte ouverte, c'est la maison. Et il y a du pain, c'est la parole de Dieu. Il y a tout le temps une parole de Dieu pour le cœur qui a besoin de la grâce de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu, sois toute la gloire. Quand quelqu'un vient à Dieu qui n'est pas chrétien, quand quelqu'un vient à Dieu, c'est un fils prodigue, une fille prodigue. Dieu permet toujours un message. Amen. Dieu permet toujours un mot, une parole de Dieu. Selon le besoin du cœur, pas le besoin de l'oreille. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent un message agréable à l'oreille. C'est ton cœur qui a besoin, c'est pas ton oreille qui a besoin. Bendito sea el nombre del Señor, la Dios, sois toute la gloire. La gente se parle hoy en día, todo pratica, todo sabe, todo es. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. La valeur, c'est de dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait du bien. J'ai été à l'église, j'ai avait une option de paix pour mon âme et mon esprit. Bendito sea el nombre del Señor, la Dios, sois toute la gloire. Porque la gente, maintenant, que va a decir, qué bien predica Juan. Esa misma gente mañana me va a criticar. Vous avez compris ça? Donc moi je ne m'arrête pas quand on me dit ça, je dis bien quoi, je ne m'arrête pas ça. Amen. Bendito sea el Seigneur. L'essentiel c'est le pain. C'est le pain. Bendito sea el Seigneur. Quand vous allez à la boulangerie, vous n'allez pas pour le boulanger ou la boulangère, vous allez pour le pain. On est d'accord? Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu, sois toute la gloire. Donc la maison elle est disponible, la porte est ouverte et le pain est disponible, toujours prêt. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps du pain. Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu, sois toute la gloire. Et il a dit ceci, mettez-lui la plus belle robe. Le Père connaissait la taille de son Fils. Amen. La robe n'a pas été faite le même jour où le Fils prodigue est revenu. La robe était déjà prête. J'ai déjà dit, tout est prêt. Tout est déjà prêt. Amen. La maison, elle est prête. Le pain est prêt. La robe, elle est prête.
Bendito sea el Señor. Los que le predijo vienen a Dios y ya en Roma saben sí. Los que le fijo dijo bien y ya en Roma saben sí. Et Jésus connaît la mesure de tous les hommes et de toutes les femmes sa réception. Amen. Alléluia. Bendito sea el Señor, la Dieu soit une gloire. Tout est prêt. Et tout est prêt à l'abondance. La Dieu soit une gloire. Il y a le pain, il y a la robe. Et la Bible dit, mettez-lui un anneau au doigt. Jésus connaît, amen, la mesure du doigt. L'anneau n'a pas été fait le même jour où le fils prodigue est revenu. L'anneau était déjà fait, déjà préparé. Et c'est pas le fils prodigue qui a pris la robe. C'est pas lui qui a pris l'anneau. On lui a mis. On lui a mis. Et dit ça dans le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Regardez ici, Dieu est bon que le fils prodigue est parti dans le monde, excusez-moi, mille fois. Quand il le dit, il a vécu dans la débauche. Je sais pas si vous savez tout ça, mais c'est vraiment pas bon. Il a vécu dans la débauche et quand il revient, Dieu lui fait la grâce que des hommes, les serviteurs de Dieu qui imaginent des anges, viennent le revêtir. L'appétit, 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 non, l'appétit, bénit au Seigneur de Jésus. La robe, c'est le salut, avoir le salut de Dieu. Être justifié, être justifié, être présentable. Car le fils prodigue n'était pas présentable. Il avait écrit dans la débauche et dans le péché. Donc il ne peut pas se présenter devant Dieu. Bendit au Saint-Nom du Seigneur. Et la Bible dit, écoutez bien, comment est-ce possible? Il vient, excusez-moi mille fois, sale. Il gardait les pourceaux, il ne peut pas venir propre. Sinon, on sait ce que c'est un pourceau. Il est tout le temps sale. Il prend plaisir à être sale. Donc il vient taché, sale, malamente. Et avant qu'on lui mette la robe, le Père l'a pris dans ses bras. Comment est-ce possible? Normalement, il aurait dû dire, lave-le, qu'il soit présentable, mette-lui la robe, l'anneau, les sandales, et après, je le prendrai dans mes bras. Et il a pris dans ses bras quand il était sale, quand il n'était pas présentable. Comment est-ce possible? Pourquoi? Amen. Écoutez bien. Quand le fils prodigue est revenu à la maison avec son père, il lui a dit à son père, avant qu'on lui mette la robe, avant qu'on lui donne l'anneau et qu'on lui donne les sandales, il a dit ceci, père, écoutez bien, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme un ouvrier. C'est quoi ça? C'est la dépendance. Et la confession de son péché. La repentance et la confession de son péché. Et comme il y a une véritable repentance, parce que devant Dieu, on ne peut pas le tromper. Amen. On ne peut pas. Nous pouvons gagner à Dieu. Donc il va se repentir. Il confesse son péché. Il se sent indigne. Sale devant Dieu. Et que fait Dieu? Le prend dans ses bras à cause de la repentance. Si son extérieur était sale, son intérieur était propre. À cause de la repentance, à cause qu'il a confessé son péché, et il a nettoyé son intérieur d'abord. Et lorsque le Père l'a pris dans ses bras, c'est parce que l'intérieur était propre. Et Dieu, avant de nettoyer l'extérieur, il nettoie l'intérieur. Vous avez compris ça? À nous, ça nous empêche, ça nous gêne l'extérieur. Mais ce que Dieu voit, c'est d'abord le cœur. Le cœur est nettoyé, l'âme est nettoyée, l'âme est purifiée. Et après, Dieu va matérialiser, rendre visible. Mais le blanc intérieur, il va le rendre visible par le moyen de la robe. Vous avez compris ça? Bendito sea el Señor. Quand le Père a dit, mettez-lui la plus belle robe. Amen. Ça veut dire que déjà dans son intérieur, il avait déjà cette robe blanche. Il a déjà été blanchi, nettoyé, purifié. Bendit au Seigneur de Seigneur. Et la robe, c'était l'image de son intérieur. La Dieu est sorti de la gloire. Et quand il a dit, mettez-lui un anneau au doigt, c'est que l'alliance avait déjà été établie par le moyen de la repentance. Lorsque Dieu, le Père, l'a pris dans ses bras, son âme a été nettoyée. Et l'alliance a été rétablie.
La loi de l'alliance. Ça veut dire, je n'appartiens plus au monde, je n'appartiens pas à n'importe qui, j'appartiens à Dieu. Quand vous voyez un homme avec une alliance, on dit il est marié. Quand vous voyez une femme avec une alliance, on dit il est marié. Et quand on voit un chrétien vivre comme un chrétien, on dit il appartient à Dieu. Amen. Il appartient à Dieu. Jésus a dit en prenant la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Ce qu'il nous a lié, amen, avec Jésus, c'est son sang. Parce que dans la Bible, normalement, il ne peut pas avoir d'alliance sans sang. Il faut qu'il y ait du sang pour qu'il y ait un pacte. Comprenez ça? Bendito sea el nombre del Señor. La robe est déjà prête, l'anneau est prêt. Et après, il va dire, mettez-lui des sandales aux pieds. Les sandales n'ont pas été faites le même jour. Dieu connaît la taille de son fils, la mesure de son don et la pointure de ses pieds. C'était déjà prêt. Il fallait juste les mettre. Et même les habitants ont venu s'abaisser et lui mettre les sandales aux pieds. Le fils prodigue ne méritait pas ni la robe, ni l'anneau, ni les sandales. La grâce ne la mérite pas. Le pardon ne le mérite pas. Le salut, la robe. Amen. On ne mérite pas le salut. Le pacte, l'alliance, on ne la mérite pas. Et les sandales, c'est pour marcher avec Dieu. C'est pour marcher avec Dieu. S'il est venu sans sandales, ça c'est l'image de l'esclave. C'est l'esclave qui marche pieds nus. Et toute personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, d'une façon spirituelle, il marche pieds nus. Il est esclave. Il a un contact direct avec la terre. Mais quelqu'un qui a des sandales, entre lui et la terre, il y a des sandales. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor, la Dios está toute la gloire. Et les sandales, c'est pour marcher avec Dieu. Et elles sont disponibles. Elles n'ont pas été faites le même jour, elles sont là. Tout est prêt. Ça va, je continue. Amen. La robe est prête, l'anneau sont prêts, les sandales sont prêtes. Bendito sea el nombre del Señor, la Dios está toute la gloire. Si vous voulez quelque chose sur mesure, il faut qu'on prenne pour mesure. Et deux semaines après, vous n'allez pas le costume. Là, ce n'est pas la peine d'attendre. Tout est fait à la mesure de celui qui vient. Et après, le Père a dit, tu es le mot grand. Le mot grand n'a pas été tué avant. Le mot grand a été tué le même jour. Mais le mot grand était prêt. Il était gras. Il était gras. Pourquoi il dit le mot grand? Pourquoi la Bible ne dit pas, tu es le veau, la brebis? Pourquoi le veau gras? Allez, parce que pourquoi la camisa est le veau gras? Pour qu'il soit gras, il a fallu du temps avant. Vous avez compris ça? Maintenant, d'ici peu, il y a Noël. Que vont faire les gens? Qu'on pas trop. Ils vont les bourrer, les bourrer, les bourrer pour avoir un foie gras. D'accord? Et dans cette époque-là, à l'époque des Juifs de la Bible, quand les Juifs voulaient faire une fête, avant la fête, ils prenaient le veau. Et ils le gavaient, ils le gavaient, ils le gavaient pour qu'il grossisse. Et après, quand la fête venait, ils prenaient le veau gras et le tuaient pour la fête. Le Père savait tel jour, tel moment, son fils allait venir. Il le savait. Et quand il fait, pendant qu'il était dans le monde, dans la démange, etc., il savait qu'il allait revenir, et le Père était en train de préparer le mot gras. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor. Un véritable fils prodigue, tout le temps, il revient. Il revient. À quelqu'un, pas bien, pas bien, pas bien. C'est pas ni fils prodigue, ni fille prodigue, ni papa prodigue, ni maman prodigue. Un véritable fils prodigue, c'est un fils. Et s'il s'en va, il s'en va une fois. Et s'il revient, il revient, il ne part plus. Ça, c'est le véritable fils prodigue. Bendito sea el Señor. Et pour le véritable fils prodigue, le bon gras est préparé à l'avance. Et quand il vient, le bon gras est déjà prêt. Comme la robe, l'anneau et les sandales. Bendito sea el nombre del Señor, la Dios de la Santa Iglesia. Tout est prêt avec Dieu. Amen. On ne peut pas
prendre Dieu comme celui qui a les projets. On ne peut pas. Bénédicte, c'est le Seigneur, il connaît tout, il sait tout. Et dans la maison de Dieu, tout est prêt. Tout est prêt. Bénédicte, c'est le Seigneur, la Dieu, son fils, pardon. Et la Bible dit que le Père est toujours prêt. Amen. Sa maison, elle est toujours prête. Amen. La robe, elle est prête, l'anneau est prêt, les sandales sont prêtes. Bénédicte, c'est le Seigneur, la Dieu, son fils, pardon. Le contrat est prêt et lui-même est prêt. Dieu est prêt. Où est la preuve? Que le Père du Fils prodigue était prêt à le recevoir. Où est la preuve? Dans la parabole. Allez, vous calmez avec nous. Un papa, lorsque le fils entre à la fin de la matinée, lui dort. Qui c'est qui dort pas? Qui est à la ventana? C'est la maman. C'est la maman, elle ne dort pas, elle. Ainsi fait Dieu. Lorsque le fils prodigue est revenu, les serviteurs ne l'ont pas remarqué. Son frère ne l'a pas remarqué. Le seul, ça a été Dieu, son père, qui l'a remarqué, qui l'a vu de loin. Donc s'il a vu de loin, c'est qu'il attendait. S'il a vu de loin et qu'il attendait, c'est qu'il était prêt à le recevoir. Il savait qu'il allait revenir. Bendito sea el nombre del Señor, la Dios de su tutelar. Te imaginas que el Señor está ahí y tiene la paciencia de esperar, de esperar, de esperar, de esperar. Bendito sea el Señor. Y el Señor nunca dirá, ah, estaba esperando tanto tiempo, tantos años, tantos meses, ya no espero más. No. La paciencia de Dios es eterna. Sa bonté es eterna, sa misericordia es eterna, son pardón es eterna. Bendito sea el nombre del Señor, la Dios de su tutelar. No pourra jamais penser. L'amour, la compassion de Dieu ne peut pas. C'est impossible. C'est éternel. L'amour de Dieu n'a ni comment se manifeste. Si nous sommes en dit aux chrétiens que c'est dans le monde, il y a ce local chouette. Il s'en va à des chrétiens. Et si nous allons bénir, ça va, t'as bien. Le Père l'a attendu. Le Père l'a attendu. La preuve, c'est son fils qui était, son frère qui était dans les champs quand il est revenu. Il a dit, tu as tué le contrat pour lui qui a vécu dans la débauche. Et moi qui ai tout le temps travaillé pour toi, tu n'as rien fait pour moi. Ça c'est nous. Ça c'est nous. Tu as compris ça? Mais le Père n'est pas comme ça. Nous on ressemble au fils aîné, mais le Père là, c'est l'image de Dieu. Il attend son fils. Il attend son fils. Il attend son fils. Il me dit, c'est des saints de santé. Quand va venir mes hijos? Quand va venir mes hijos? Quand se va convertir? Quand me va sanar? Quand va ser esto? Quand va ser aquello? Et il est ahí, il est là. Les animaux étaient plus intelligents que les humains, c'était pour toi. Il a attendu, 70-80 ans, et personne ne s'est sauvé, à part Noé et sa famille. Et lui, il était dans son trône, dit le psaume, et il attendait. Là, il a la patience qu'il a. Bendito sea el Señor. Il a offert son fils à la croix du travail, ça fait 2000 ans qu'il attend. Alors, si quelqu'un l'accepte, si quelqu'un est intelligent et qui accepte le Fils de Dieu, et c'est ce que la Bible dit, je regarde sous la terre, je ne trouve aucun intelligent. Pourtant, il y a des savants, hein. L'hôpital, on le sait. Mais il y a des savants. Et la Bible dit, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. C'est celui qui cherche Dieu. Et dit tout ça comme le Seigneur. Donc Dieu est prêt. Jésus est prêt. Et dit tout ça comme le Seigneur. Regardez ce qu'a dit Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne. Ça veut dire le Père te prend et te donne au Fils. C'est beau ça. Amen. Viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le fils prodigue, quand il est revenu, il n'a pas été mis dehors. On ne l'a pas jugé, on ne l'a pas critiqué, on ne l'a pas mis dehors. Ne l'allez pas, ciao. Je ne mettrai pas dehors celui qui est dehors.
Dis tout simplement le Seigneur, tu peux venir à Jésus avec assurance, avec certitude, il te reçoit. Il y a de la place dans la maison de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit, Matthieu 1, 28, il carotte. Venez à moi. Amen. C'est une invitation mondiale. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le Fils prodigue était fatigué, lassé, accablé, à cause du péché pratiqué. Et là, c'est pour lui ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et ce verset dans les textes originaux, le mot fatigue, c'est l'image d'un animal qui est tellement chargé qu'il ne peut plus avancer. C'est l'image d'un bateau qui est tellement chargé qu'il s'enfonce. Et les hommes et les femmes aujourd'hui sont comme ça, chargés du péché. Et ils ne disent plus, il n'y a pas le goût de la vie, le goût de vivre. Vous comprenez ça? Bienvenue au Saint-Nom de Seigneur. Et on va terminer avec ceci. Luc 14, 22 et 3. Les serviteurs disent, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. C'est beau ça. Et il y a 2000 ans, il y avait encore de la place. Et 2000 ans aujourd'hui, il en reste encore de la place pour le pouvoir. On ne pourra, dans toute l'éternité, on ne pourra jamais remplir la maison de Dieu. On ne pourra pas. Tellement grande, spacieuse, belle, merveilleuse, on ne peut pas la remplir. Il y a de la place normalement pour tous les êtres humains, tous à l'exception qui. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, la Dieu, sois pour moi. Prenez le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, t'entraînez à d'entrer. Enfin, que ma maison soit remplie. Amen. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Amen. Que le plus grand nombre soit sauvé. Que le plus grand nombre vienne à sa maison. Et trouve en main ce vêtement blanc, cet anneau, ses sandales. Et qu'il puisse manger le bon gras. Et le bon gras, ce n'est pas autre chose que Christ crucifié à la croix. Il dit que c'est le Seigneur, la Dieu, sur toute la loi. Alors que vas-tu faire? Amen. Venez à moi, a dit Jésus. Amen. Ce message, ce n'est pas simplement pour celui qui n'est pas chrétien. C'est pour celui qui est chrétien. Parce qu'on peut être chrétien et être perdu. On peut être baptisé et être perdu. On peut prendre la Sainte Seine et être perdu. On peut être chrétien et ne pas manquer de réunion et ne pas être en grève avec Dieu. Et ne pas vivre la paix avec Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas le titre de chrétien qui m'amène au Dieu, c'est ma vie avec Dieu qui me mènera au ciel. C'est la vie que je vis, ce n'est pas le titre que j'ai. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais au ciel, ce n'est pas parce que mes serviteurs chrétiens, musiciens, etc., qu'on ira au ciel. On va au ciel en acceptant Jésus, en vivant pour Jésus, en vivant pour Jésus. Bendit soit le nom du Seigneur, la Dieu, soit tout le monde. Jésus a dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi ce verset? Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'on sera sauvé à la fin. Ça veut dire, amen, qu'il faut être sauvé pour persévérer jusqu'à la fin. Il n'y a que les sauvés qui arriveront à persévérer jusqu'à la fin. On ne persévère pas pour être sauvé, on est sauvé. Et c'est parce qu'on est sauvé qu'on arrive à persévérer. Vous comprenez ça, bénis tous ces noms de ce nom. Donc, d'acter la paix, nous retenons pas ça. Notre désanimé. D'accord? Ça fait moi, c'est le dicho, Al, Juan Antonio. Après, j'ai promis, d'accord? De manière ainsi, vous tenez qu'il supporte à la guerre. Ça fait moi que je prie. C'est-à-dire, l'émotion, tu vois. Je prie pour les couples qui ont des gros problèmes. Avec la maladie, avec les enfants, des enfants qui ne sont pas convertis, des enfants qui sont séparés. Et je prie pour ça et je demande à Dieu. Ça fait un mois que je prie pour ça, tous les jours. Je dis, Seigneur, donne-moi un message, s'il te plaît, pour les couples qui ont besoin de toi. C'est inimaginable comment Dieu m'a parlé. Ça fait quelques jours simplement. Un mois après, Dieu m'a donné ce message et je sais que ça vient de Dieu.
Amen. Et le jour quand je le porterai, ça va me faire du bien. Je vous promets, ça va nous faire un grand bien. Nous, les chrétiens, avons besoin d'être fortifiés, d'être encouragés. Amen. Que nous poussions un peu pour dire, allez, bouge-toi. Continue, ne t'arrête pas. Bénédicte Seigneur, Seigneur. Jésus n'a jamais couru. Jésus ne courait rien. Jésus andava. Alléluia. Marchons, même pas de fourmis, mais marchons, marchons, marchons. Bénédicte Seigneur, nom de Seigneur. Arrêtez de me regarder, c'est bon, ça suffit. Amen. On dit merci à Dieu pour ce bon moment. Amen. Amen. Mais petit frère, que tu puisses te bénir. Seigneur, je veux bénir comment glorifier ta sainte majesté. Te rends grâce, Père éternel, pour cette parole. Seigneur, pour cette parole qui nous rend ta grâce.